Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier Galago Musique, avec une voix un petit peu caverneuse hein, aujourd'hui effectivement. C'est pour vous dire que ça y est, le tuto de Hotel California est enfin complet. En effet, dans cette vidéo, vous trouverez les explications pour savoir comment jouer le solo. Donc je vous en ai mis qu'un extrait en début de vidéo, mais si vous voulez écouter le cover complet en compagnie du copain Tanguy Kerleroux, n'hésitez pas à cliquer là-haut, vous aurez déjà comme ça l'aperçu visuel de ce que ça peut donner. Donc merci Tanguy d'avoir participé à une partie de l'aventure Hotel California. Vous le retrouverez également ici un petit peu plus loin dans les vidéos et vous expliquer un petit bout de ce qu'il joue lui. Et je vous invite chaleureusement à découvrir son travail, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram. Il mérite largement une plus grande visibilité, je vous ai mis tous les liens dans la boîte de description. Et juste avant de démarrer, je le redis, mais la partoche, le relevé intégral est disponible chez Quick Partition, donc n'hésitez pas à l'acquérir, je pense que ça vous permettra de suivre les choses avec un peu plus de confort. Allez, je vais pas durer le prologue plus longtemps parce qu'on a quand même du boulot. Donc, tous et toutes à vos guitares. Et voyons en détail comment on joue tout ça. Alors, solo numéro 1 joué par Dunfelder. Je vais vous afficher directement les tablatures en dessous. Je vais jouer pas vite du tout. Et je m'arrêterai sur les quelques points délicats ou sur lesquels il faut faire vraiment gaffe. Ça va commencer comme ça. On démarre sur le quatrième temps. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était l'entrée en matière. Donc là, les trucs auxquels il faut faire gaffe, bah, le premier slide, quand vous le faites, à partir de la troisième case du sol, pour être sûr que vous arriviez au bon endroit, on va avoir l'œil directement sur la case d'arrivée, et non pas sur la case de départ. De cette façon, vous êtes sûr d'arriver à bon port. Une fois que vous avez fait ça, bon, hammer on, et on va bender d'un ton et demi. Il faut juste faire gaffe à ce bend ici, il faut que ça sonne comme la 15e case, comme un ré. D'accord, c'est la tierce de notre tonalité, on est en si mineur. Hyper important que ce bend soit vraiment juste. D'accord, vous le faites plein de fois d'affilée. Après, je fais un petit slide entre 11 et 9. Donc tu ne sois pas obligé d'ailleurs celui-là. Ça crée déjà un slide quand on quitte 12. Et qu'on quitte pour aller chercher le 9 du sol. Mais bon, c'est pas très important. Ensuite, ça va. Là, pareil. Petit détail. Quand je regarde cette note-là, je vais tirer un quart de ton pour faire une entre-deux notes. C'est entre le ré et le ré dièse. D'accord. Et je vais choper la 8e case du ré, suivie de... D'accord. Donc je fais 4, 6, 4, hammer on pull off. Je vais chercher 7 de la corde de ré. Et je fais un demi-ton de bend. Puis je descends au slider. Voilà, c'est la fin de la première phrase. Phrase numéro 2. Ok, donc je démarre ici par un rake, c'est-à-dire je vais mettre la tranche de ma main, la lipoténa, sur les cordes. J'essaye, je vais gratter les cordes de la ré, ça va faire un crink crink. Et dès que c'est fait, j'enlève la lipoténa là, pour faire entendre la 7e case du sol. On run, encore le coup du quart de ton sur cette note là, la tierce là. Ok, ensuite ça commence pareil. Ça va. Ensuite, on va m'aider d'un ton la 10e case du si. Il faut qu'elle sonne comme un si. Hein. Je bloque bien et ensuite je me déplace ici. Je bloque. D'accord, donc ça, faut bien vous le bossiez comme ça. Bloc. Et je finis par un petit grain grain. Que vous le fassiez soit sur la corde de si uniquement, ou bien les quelques dernières cordes, peu importe, vraiment que c'est bien bloqué. Ensuite, donc, je dois m'aider la 9e case du sol, d'un ton complet, comme si elle sonnait en 11, d'accord. Je vais mettre le petit doigt en 10 du petit mi. Dès que c'est fait, je bloque complètement les cordes à la main droite. Je vais rebender. Voilà. Ensuite, normalement, on est censé rejouer, mais franchement, il n'est pas entendu très fort, la 7e case de la corde de ré. Moi, franchement, je ne la joue pas. Elle me gave un petit peu. Je la vire directement et je fais les quelques notes qui suivent. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, je fais une substitution de doigts. Et voilà. Ensuite,
Voilà, donc ce plan-là, il est construit à nouveau autour de la pentatonique de si mineur, hein, tac, etc., etc. Donc vous allez commencer donc 7-9 cordes de sol, en aron. Après, 7e case de la corde de si. Donc ce qu'il faut bien gérer vraiment dans ce morceau-là, et comme souvent dans les solos, c'est les arrêts à cet endroit-là. Donc repérez bien, tic, quand je fais ça, c'est que j'ai tout mis et qu'on veut plus de son entendu sur les cordes. Et pour terminer, bon bah ça c'est un plan classique rock à connaître par cœur. Ok. Et là on a fini le premier solo, je vous le refais pas vite, et on attaque le solo de Joe Walsh. 2, 3. Cool. Bossez bien à la fin de ce plan-là quand vous avez le bend. Le vibrato sur bend, ça aussi c'est un effet absolument génial dès qu'on veut donner un petit peu de personnalité à cet effet-là. Dès que vous avez atteint la hauteur que vous souhaitiez, c'est-à-dire celle qui est jouée deux cases plus loin, un ton plus loin, vous luttez contre la corde, elle veut redescendre, vous lui laissez un tout petit mou et vous la remontez tout de suite à la même hauteur. Voilà. Pas forcément évident, hein, dit comme ça. Laissez bien le pouce par-dessus le manche, vraiment ça aide. Bon alors déjà ici, est-ce que tout se passe bien? Oui? Non? Ne se prononce pas? Vous le bossez, quoi qu'il arrive, par tout petit fragment, d'accord? Et vous faites gaffe à tous les détails, genre pas de corde à vide si c'est pas indiqué, de bien bloquer la fin de vos bends. Donc regardez bien sur la partoche pour repérer où se trouvent aussi les petits silences. Ça vous indique quand est-ce que vous devez utiliser l'hypoténard pour être sûr que le son soit bien découpé, bien tranchant. Voilà, donc avant d'attaquer la suite, hein, déjà vous vous entraînez bien comme il faut, lentement, pour l'apprendre par cœur, c'est vraiment le mieux. Comme ça après, vous pourrez travailler à l'oreille pour arriver à le caler par-dessus le playback ou jouer avec le morceau original. Allez, on y retourne. Alors ensuite, solo numéro 2, joué par Joe Walsh, et également Tanguy Kerleroux sur notre cover en commun, ça donne ceci. 3, évidemment sur le premier temps. Bon, voyons déjà ça, avec la partoche en dessous. Plan rock'n'roll pour démarrer, attention à apprendre par cœur également. 3, 4. Ensuite, je vais bender en 11e case de la corde de sol, d'un ton et demi. Faut que ça sonne comme un La, 14e case de la corde de sol. D'accord, faut bien la pousser celle-ci. L'effet est génial si vraiment c'est juste. Ensuite, 9, 11, 7, du sol. D'accord. Bien bossé. Là, pareil, hein, dès que j'ai bendé, je stoppe. Ok, ensuite. Le petit plan chromatique qui fait plaisir. Et je fais un slide à la fin, c'est stylé comme pour terminer mon discours. Ensuite, je vais bender en 14e case de la corde de sol. Okay. Donc ça c'est pareil, c'est à bosser vraiment pour la justesse des bends, pas sur la fin du quatrième temps, 3, 4. Ok, ensuite.
pareil. Là, faut bien écouter pour être sûr que... Vous gardez bien le petit doigt. Ça descend un tout petit chouïa. Après, ça redescend franchement. Ok. Et pour terminer, je vais à la 17e case du petit mi. Je retrouve ma fondamentale. Je vous refais ce solo de Joe Walsh et on attaque la suite. 1, 4. Petit détail, pour obtenir un son qui soit vraiment propre, pour éviter que les cordes à vide ici sonnent, enfin résonnent par sympathie, essayez de placer le plus régulièrement possible un gros morceau de cette portion de main par-dessus les cordes sur lesquelles vous ne jouez pas. Ça fait partie des petits secrets qui sont très pratiques. Bon bah là vous avez fait la moitié, vous avez le droit de faire une petite pause, de prendre une tisane peut-être, que sais-je. En tous les cas, comme je vous le disais, non, le conseil d'avant, apprenez-le par cœur et soignez bien la justesse de vos bends. Fin de la pause. Voilà, donc quand Joe Walsh termine son solo par... Ok. Donfelder reprend la main et va jouer par-dessus ce petit bout-là, ce petit... Il va jouer... Par-dessus. Donc bend d'un demi-ton en 14. Et ensuite, je rejoue la 12 et bend d'un ton et demi. D'accord. Je bloque. Ensuite, je vais me mettre en 13e case parce que c'est quand même plus commode. Et je vais faire ce plan-là. Squeaky, squeaky. J'adore ce squeaky, squeaky. Je garde mon index en 10e case du petit mi. D'accord. Je vais chercher la même note, en fait. Quand je suis à fond le bend ici, c'est le même son que cette note-là. D'accord. Ensuite, je vais me mettre en 11e case du sol. Et je vais faire 3 notes. Avec une seule attaque. Je slide de 11 à 9. Pull off. En 7. Ensuite, 9. Durée. 8. Durée. Et 6e case du petit. Alors. Squeaky, squeaky. Ok. Normalement, ensuite, je crois que c'est Joe Walsh qui reprend la petite phrase suivante, qui est super connue aussi. De toute façon, hein, tout est mythique là-dedans, c'est celle-ci. Alors, là j'ai été chercher 12e case du petit mi, je vais bender d'un ton en le faisant précéder par un petit rake, comme tout à l'heure. D'accord. Et ensuite, je vais descendre progressivement. D'accord. Et on va attaquer quasiment la fin. Le plan relou que j'ai mis beaucoup de temps à repiquer va donner ça. Alors ça, c'est Donfelder qui l'a fait, celle-là. Alors, c'est un peu long, mais c'est pas si difficile que ça. Je bend en 9e case du sol, histoire de pas changer trop. Après, je vais bien garder mon index écrasé sur 7 et 7, les deux aigus, et je vais faire... D'accord, et on termine par. Et la montée finale qui précède l'arrivée du. Cool. Je vous refais un petit coup depuis 12-12-12 là. Thank you.
Alors par-dessus la séquence, etc., il y a la deuxième guitare qui harmonise ce truc-là. Et comme c'est plus sympa, je vais laisser l'ami Tanguy Curleroux vous l'expliquer et je vous reprends juste après pour voir la fin. Ok ? Tanguy, à toi de jouer. Salut Eric et salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Moi c'est Tanguy Curleroux et je vais vous expliquer ma partie du solo de Hotel California. Donc il s'agit de la petite descente de notes qui vient en harmonie avec ce que Eric joue avant la fameuse dernière partie du solo. Donc il s'agit de cette partie-ci. Il se passe beaucoup de choses dedans, donc déjà je parle juste de mon son vite fait, donc je suis en saturation, là pour la vidéo j'ai baissé vraiment le gain à un maximum, mais voilà, moi pour mon son j'ai ajouté un delay, donc c'est un delay ping-pong, avec voilà, un effet gauche-droite qui fait un peu stéréo pour le coup, donc vous êtes évidemment pas obligé d'adopter ce son puisque c'est même pas le son original, mais voilà, moi c'est un son que j'ai choisi parce qu'il est plus englobant. Je vais le couper pour la vidéo pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc on va se positionner sur la 12e case, ça va commencer là-dessus, et je suis sur la corde de Si, et donc on va partir en fait sur un bend qui n'en est pas un au final. La note en fait elle est juste, on est vraiment sur la 12e case de la corde de Si. Mais voilà, pour le petit effet, en fait, moi je monte un petit peu. Et on passe du coup à la 10e case en corde de Mi. On vient pincer en même temps, toujours sur la 10e case, Re, la corde de Si. Et cette fois-ci, on reste sur la corde de Si et on repasse en 12e. Et donc, ça fait comme ceci. Donc ça, une fois que c'est fait, du coup, c'est la première partie de la descente. Donc juste ensuite, du coup, on reste sur la 12e case. On va jouer avec la corde de Ré et la corde de Si. Et donc tout simplement, on va faire 12 en corde de Ré, 12 en corde de Si, re-12 en corde de Ré, et 10 en corde de Si. Donc si on enchaîne les deux en même temps. Et cette fois-ci, on va sur la corde de La, et on est toujours en 12e case. On va chercher la corde de Sol en 12. On revient sous la 12e case de la corde de La. Et on va chercher toujours sur la corde de Sol, mais cette fois-ci en 11. Donc si on enchaîne les trois parties, ça fait ceci. Là, on revient en corde de La, en 12e case, et on fait un petit slide. Donc si on enchaîne tout ça, ça nous fait ça. Lentement. Donc une fois que j'ai terminé cette descente, qu'on a fait le slide, hein. Ok ? Pour la dernière partie de cette descente, on fait un petit bend sur la corde de Mi aiguë sur la 12e case. Et cette fois-ci, en fait, c'est vraiment un bend d'un ton. Donc c'est vraiment comme si on essayait d'atteindre la note en 14e. Et donc une fois que du coup je suis redescendu, je fais pas sonner la 12e case en corde de Mi. Je le fais pas. Je bend et je passe tout de suite en 10e case. Vous enchaînez avec du coup en corde de Sol la 12 et la 11e, et ça nous fait un. Et là, cette fois-ci, vous refaites pour terminer deux attaques pour passer de la 12e à la 11e case, toujours en corde de Sol. Et vous revenez du coup dans la partie suivante qui va s'articuler comme ceci. Donc je rappelle, hein, juste avant, en fait, vous avez fait 12-11. Et ben là, vous refaites 11-12. 12-14. Une attaque en 16. Et là, alors c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le solo, mais du coup, pour cette vidéo avec Eric, on a fait vraiment un petit bend et un hammer-on. Et donc, comment ça s'articule? Et ben on vient faire un demi-bend, donc un bend d'un demi-ton, comme si vous reveniez en 16. Hein. Vous venez chercher la note en faisant un bend d'un demi-ton, du coup, sur la 15e. Et vous faites un hammer-on de la 13e à la 15e case, toujours en corde de Sol.
et là vous aurez fait l'harmonie de cette petite fioriture qu'on aura fait dans le solo. Et pour terminer, on se positionne en corde de si, et du coup on va être sur la 14e, sur la 15 et la 17e case. Du coup ça va se passer comme ceci. Une seule attaque à chaque fois. Voilà, et là vous êtes prêt du coup à attaquer la dernière partie de votre solo. Merci Tanguy. Alors il nous reste maintenant à voir la fin, le plan évidemment que tout le monde adore, qui n'est pas très difficile, il faut juste être bien régulier. Ça va donner ça. Alors c'est cette phrase-là bien sûr qui est jouée par Donnfelder. Bon, je me place en 7-7 des deux cordes aiguës, d'accord. Je vais tirer le petit doigt jusqu'à la 10e case du petit mi et je vais faire un pull-off. Voilà, c'est ça le plan, je vais faire tourner en boucle. Bon, dans l'idée, je vais plutôt garder cette voix-là sortie, c'est pour que vous voyez bien, mais... Deuxième position, mon index s'en va, le majeur prend sa place sur la corde de si à la 7e case, je mets mon index en 6e case du petit mi. Le petit doigt en 9 du petit mi. D'accord, même principe, mais ce coup-ci, je le fais plus court et je vais sortir par un gros slide de la mort. 14e. Donc là, pour pas vous planter, parce que si vous vous gourez de cases à la fin de votre montée, à la fin de votre slide, eh ben ça gâche tout. Donc faut bien regarder à l'avance la case d'arrivée. Ok ? Là, je regarde déjà ma 14e case. Ok. Ensuite, je vais faire quasiment le même placement, sauf que je suis en 5-5. Des deux cordes aiguës, et je vais tirer jusqu'à la 9e case le petit doigt. Ensuite, même placement que précédemment, mais ce coup-ci en 5 et 4, je tire le petit doigt en 7. Et je vais jusqu'à la 12e case. Voilà. Les deux plans d'affilée. Là, vous voyez, j'ai raté et ça fait tout laid. Ensuite, c'est peut-être la position la plus reloue. Je vais en 3-3 des deux aigus et je vais tirer jusqu'à la 7e case. Ouais, je sais. Mais c'est possible, hein. Faut juste bien placer le dos, le pouce au dos du manche. Un poignet bien ouvert. Si vous êtes comme ça, laissez tomber, ça ne marchera pas. Hein. Tac, comme ça. Et c'est parti. D'accord. Après, même placement que tout à l'heure, mais ce coup-ci en 3 et 2 sur le si, le petit mi. Et je vais chercher la 5. Et je slide jusqu'à 10. Et pour terminer, ce coup-ci, on n'a plus de grands écarts. Je vais faire avec la corde à vide de 3 à 0. Et je termine avec ça. Donc je suis en 2-2 des deux cordes aiguës et je tire jusqu'à 6 du petit mi. Et là je slide de 6 à 9. Fin. Et vous faites tourner ça en boucle autant de fois que vous voulez jusqu'au finish que vous voulez. Soit en fade out, soit en tapant la corde de si mineur. 4 fois d'affilée comme vous voulez. Je vous refais tout ça. On voit vite fait ce que fait la guitare de Joe Walsh et vous saurez tout jouer. Donc l'idée ici, c'est d'harmoniser, c'est-à-dire de superposer la mélodie qu'on a vue juste avant avec plus ou moins la même chose, mais à une tierce d'écart. Ça va donc donner ça. D'accord ? Donc je suis en 12 du si, 10 du petit mi, et je vais chercher 14 du petit mi. Voilà, ça habillera très bien la phrase précédente de la guitare. Vous voyez les deux ensemble. Ensuite. D'accord.
Même principe, j'étais en 10, pardon, en 12, 9 pull-off et 11 du si. Et je vais slider jusqu'en 18. D'accord. Donc là, c'est pareil, il faut bien que vous voyez à l'avance où vous devez atterrir. Ensuite, je vais mettre le petit doigt en 12, je vais taper le 9 avec l'index et je vais chercher la 10e case du si. D'accord, dès que c'est fait, je mets le petit doigt en 10, l'index en 7 et le 9 en 6. D'accord, et j'atterrirai en 16e case du petit mi. Ensuite, je mets le petit doigt en 10e case du petit mi, d'accord. Et je vais faire ça. 8e case du si par le majeur. Voilà, on a quasiment terminé. Alors celui-là est un petit peu relou, il faut faire 10. 5 et 7 du si. Voilà, il faut bien tirer, c'est tout. Et je grimpe en 14. Et le dernier plan, et c'est terminé. Donc, même délire, grand écart entre 7, 3 du petit mi et 5 du si. Donc, voilà, là, ici, à la différence, qu'on ne va pas garder l'index enfoncé tout le temps. Hein. Et oui, enfin on termine pour de vrai. Et voilà. J'ai attaqué 9, pull off en 6, 7 du 6. Et c'est terminé. On rejouerait tout du début. Bon ben voilà, c'est terminé pour Hotel California et ouf, parce que c'était quand même vachement long, je crois que ça m'a pris entre 2 et 3 mois pour le finaliser. Eh ben que voulez-vous? Au moins celui-là, vous l'avez à 100%. Alors du coup, bonne musique, portez-vous bien, et puis je vous donne rendez-vous rapidement au détour d'un prochain tuto. A très bientôt, ciao.